Donc voilà, les tréfonds de Voilâtre. Alors, on va s'équiper de la dague. Il y a beaucoup de temps Tout ici. ça ne me dit rien qui vaille. Non. Deux. Je t'ai vu toi là-haut. Oh putain, il dit occupe-toi de lui. Voilà. Heureusement ils sont faciles à vaincre tous. Donc celui-là j'aurais fouillé. J'ai loupé. Il y en a d'autres? C'est où que ça se lève? Encore rien? Tiens, j'en entends se lever de partout, c'est génial. Notre. Ah, le chef. Viens, Lydia. Ah, ben voilà. Impeccable. Ça, c'est fait. Ah, ouais, j'ai bien aimé ce passage. L'espadon de glace. C'est ça? Ouais. Ah, il nous a même pas touché une seule fois. Je suis content, Lydia. Bien battu, c'était marrant, t'en as partout, faut courir, faut farine, grenat, or. Ça d'abord, arc nordique, on s'en fiche, les flèches, le grenat, la hache, je m'en fiche. Là, ici, il n'y en avait pas dans l'eau, merde, j'ai cru que j'allais tomber. Il y a un truc dans l'eau là, ça, lui il a rien. Lui, il n'y a rien. Lui, il n'y a rien. Lui, il n'est même pas sorti de son sarcophage. Voilà. Lui, il m'a permis de faire une petite vidéo. Il est tombé dans l'eau. T'es où, t'es où? Oui, il doit rester des morceaux de son squelette. Ah, je vais y retomber dans l'eau. Voilà, ça me permet de... Ça m'évite... Ah, les flèches. Je les prends parce que ça porte rien, ça pèse rien. Je vais faire et comment il monte dans son truc ici. Et lui, je l'ai eu à l'arc aussi. Bon, j'ai pas le corps, hein, mais un bout d'os, ça porte comme le reste du corps. Ah, t'arrives, vous dire? Maman, on part. Impulsion. Youpi. Donc l'espadon de glace, pareil, elle vaudrait bien. Par contre, je vais en remettre des ferlements parce que le Wold c'est bien sympa, mais ouf, ça change. J'aime pas ce truc au plafond. Par contre, j'aime bien le truc qu'on voit au fond. Petite capture d'écran, comme vous avez pu l'entendre. Personne ici? Non.
sinon. Oh mais. Mais ouais, c'est bien le piège. Déclencheur de trappe. Ok, il est là. Ouais, non, un peu plus. Et voilà. Pardon les gars. Alors. Ah, collier d'alchimiste, que j'ai à faire. Dans les elfes, ça c'est bien. Ici, il y a quoi? Bien. Un peu d'or. Murmure côté. Ouais, je prends. Dentelle impériaux. Dague d'acier. Ah oui. Hop. Ici. Une potion de soin. Petit mot de puissance. La paix de Kin. Je vois un espadon, un truc. Combien je pèse? 200 sur 300. C'est bon, je peux y aller. Pas besoin que je donne à l'IA les objets que j'ai. Parce que l'espadon, je crois que ça pèse super lourd, ça. Ouais, ça pèse 17. Ma plante familier fait apparaître un familier pendant 60 secondes. L'espadon nordique qui fait 5 points de glace. Je crois que depuis qu'elle est déjà mieux. Alors, on prend le Wood. Wood. Voilà. Et il y avait même une gemme. Une gemme spirituelle. Allez, on refait. Il n'y en a pas un autre par là? Hop là. C'est bon, Lydia, reviens. Notre elle est partie à la nage en croyant qu'elle allait pouvoir grimper. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Est-ce que je peux voir sous l'eau ce qu'il y a? Non, j'y vois que dalle. Bon. Voilà. Mais ben, c'est bien sombre tout ça. Vivement qu'on sorte. Oui, moi j'ai toujours cherché derrière les... Ah, au fond de l'eau, il y a forcément un coffre, hein. Quelque part. Hein. Il doit y en avoir un. Hein. Mais comme on n'y voit rien, pas la peine d'y aller. Non voilà, donc on ressort où? Ouais, parce que là, je pense qu'il n'y a plus de méchants. Donc on se remet première personne. Bon, il n'y a rien qui traîne par là, plus rien ramasser. J'ai pris tout, hein. C'est ça. J'ai même pas vu où, dans quoi on était. Oh, le marteau orc qui traînait. Voilà, faut toujours regarder à ses pieds. Ah ben voilà. Donc c'était lui qui a créé une potion de fantôme que j'ai revendue. Ce quoi je croyais qu'elle était vide. Je croyais avoir tout pris. Ouais, je prends. Je sais même pas si ça vaut rien. Là, on est vide. Qu'est-ce qu'il y a dans son grand sac? Rien. Un squelette, machin, des trucs. On se lève. Je vais voir, qu'est-ce que le disqueur est chargé? Non. J'ai juré de porter vos fardeaux.
Alors, tu as quoi comme arme? Je vais vite voir ce que tu as. La hache de boulangerie. Waouh. Même dégâts plus 10 de vigueur. Est-ce que je peux te donner, moi? C'est l'espadon qui fait 18 de dégâts, 5, moins bien. Et le marteau orc, 23 de dégâts. Tu vois, si je te le donne, je suis sûr que je suis ton équipe. Non? Passez devant, je vous suis. Ah non, tu gardes la hache. Autant pour moi, je pensais que tu allais prendre le marteau, mais c'est pas grave. Le marteau, je pourrais l'améliorer, là, je pense encore. Bon, on va dormir un petit peu. Parce que mon personnage... Oh, ah non, je vais dormir juste 2 heures. Oui, je voulais sortir avec le jour, mais je me dis non, parce que j'aimerais bien aller récupérer... Comme je disais avant... C'est pas ouf. Oui, mais c'est pas... C'est ça. Et voilà, le tertre du volâtre, fini. Bon, on n'y voit rien. Pas dire dans les ruines, la nuit, on n'y voit rien. Bon, je pense que le jour, ça devrait être à peu près pareil, mais... Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. C'est par où? C'est par là. Oh putain. Ici il fait clair. Ça doit être vraiment l'été, hein. Vive pas dur. Hein. Regarde, je garde. Je vais rendre visite à la ferme. Les gars, c'est bon, arrête de courir, on est du temps. En train de dormir à la porte ouverte. Alors je prends la cuillère de Vunamra parce qu'elle fait partie d'une quête. Si vous décidez un jour d'avoir des enfants, réfléchissez-y à deux fois. Ma fille me rend fou, alors pardonnez-moi si je suis un peu nerveux. Quittez la ville aussi vite que possible, il n'y a rien ici. Est-ce que c'est du vol? Je crois pas. Non, c'est pas du vol. Comment faire pour que ma fille... Là c'est du vol. De rêvasser. Je faisais rien de mal, Lydia. Hein? Rassure-toi. Là tu y crois pas, l'autre il m'a donné 6 pièces d'or. Mais on revient toujours à cet elfe là. Ah, mon personnage du pied, c'est ça. Enfin bref, de toute façon, c'est le seul elfe du jeu, je crois, au niveau 3. Que voulez-vous?